Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, donc dans un format un petit peu court de 20 minutes, une belle histoire d'amour. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes venus pour ça. C'est une histoire d'amour avec la presse. Voilà, une histoire d'amour qui est née quand j'étais tout petit. Il y a un amour qui a été très déchu, qui a été déçu, et un amour qui connaît aujourd'hui un renouveau, et j'espère que j'arriverai à vous le faire partager. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a quelque chose qui m'a mené au journalisme quand j'étais tout petit. C'est un roman photo. C'est un roman photo qui est paru dans Harakiri, un Harakiri paru en 1971. Et roman photo, donc à l'époque, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un ensemble de photos qui racontent une histoire. Et dans ce roman photo, il y avait Miu Miu, cette actrice. Pas la Miu Miu d'aujourd'hui, la Miu Miu de l'époque, de 1971, seins nus. Pour moi, c'était une grande, grande découverte. Et du beau sexe, et du journalisme. Le journalisme, pourquoi m'a Harakiri ce côté qui osait, ce côté qui ne se donnait pas trop de limites, puisqu'en 1971, mettre une paire de séants comme ça en couverture, c'était quelque chose d'assez osé. Dès le départ, j'ai senti peut-être qu'il allait y avoir quelque chose avec cette activité qui était la presse. Harakiri, pourquoi aussi? Parce que injustice sociale, voilà, injustice sociale, moi c'est quelque chose qui m'a toujours porté depuis tout petit. Je me suis lancé dans le journalisme, pas que pour les seins Miu Miu, mais aussi pour essayer de lutter contre plein de choses qui me prenaient les tripes. Et je me suis dit que plutôt que de passer par une action violente, je n'étais pas quelqu'un de particulièrement violent, le journalisme était peut-être quelque chose qui était tout à fait approprié pour cela. Je me rêvais à l'époque déjà travaillant à l'Humanité, couvrant des grandes manifestations dans les gaz lacrymogènes des forces de police. Voilà, tout cela ne s'est pas fait, je vous rassure, tout va bien. Autre chose peut-être encore, dernière chose qui m'a mené au journalisme, c'était l'amour des gens et l'envie de rencontrer des gens. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours duré, qui dure encore aujourd'hui. Et je pense que c'est sûrement la plus belle satisfaction que je peux avoir dans mon métier aujourd'hui. Le problème, c'est que le journalisme a beaucoup offert, mais le journalisme m'a un petit peu déçu aussi. Je vous présente cette petite, je suis très très fier de mes petits visuels, alors c'est fait avec mes moyens, je ne suis pas graphiste, etc. Celui-ci, je l'ai intitulé « État de la presse au début du 21e siècle en France ». Voilà, c'est peut-être un petit peu fort, je vous l'accorde, c'est ruine, peut-être certains le reconnaîtront. C'est un petit peu l'image que j'ai de la presse au bout d'un certain temps, après mes 3 années d'études à l'école de journalisme de Toulouse. Après mon premier stage vraiment marquant à la montagne, à Clermont-Ferrand, où c'était la dernière année où le service des ouvriers du livre était présent. Et j'ai vu ces gens-là, qu'on accusait à l'époque d'être des alcooliques, d'être des bons à rien. J'ai vu ces gens-là qui n'étaient pas journalistes et qui m'ont repris, moi, jeune, futur diplômé en journalisme, sur des papiers, en me disant « là, tu as fait une erreur, là, tu as fait une faute d'orthographe, là, ce que tu dis, ça n'est pas vrai ». Voilà, ça c'était les premiers accros vraiment à mon rêve du journalisme. Je crois que je l'avais vu jusqu'à présent qu'à la télé. Là, je le touchais du doigt et je m'apercevais qu'il ne correspondait pas tout à fait, à mes attentes. Il y a d'autres choses aussi qui m'ont pas mal choqué. C'est des problèmes d'offres éditoriales. Moi, je rêve d'un journalisme, d'un grand journalisme, d'un journalisme qui fait rêver, d'un journalisme qui nous emmène voir les réalités d'un petit peu partout. Et on s'aperçoit de quoi aujourd'hui? On s'aperçoit que le journalisme, en fait, le journalisme devient un journalisme d'opinion, mais une opinion un petit peu vide.
C'est-à-dire un journaliste va donner son avis, un journaliste va donner son opinion, une opinion pas forcément toujours très très bien formulée, et il va oublier en fait d'aller voir les gens, qui sont finalement le cœur du journalisme. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aller raconter des histoires. Aller raconter, donc aller voir les gens, essayer de rendre au maximum leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui ne se faisait plus trop, qui ne se fait pas trop. Regardez un petit peu l'ensemble des couvertures d'hebdomadaires aujourd'hui et regardez un petit peu, comparez-les sur une même semaine, des sujets qui reviennent de façon sempiternelle, etc. Autre chose peut-être aussi que j'ai connu, des problèmes éthiques, déontologiques. J'ai vu dans un magazine destiné à la jeunesse un publi-reportage payé par Areva, où on expliquait à des jeunes collégiens qui n'avaient pas forcément encore étudié ça à l'école que la bombe atomique a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Alors soit, la bombe atomique avait mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que pour autant on peut se permettre aujourd'hui en tant que journaliste d'envoyer ce type de message à des jeunes qui ne connaissent pas le contexte, qui ne connaissent pas le tenant, les aboutissants? Dernière chose sur cette première accro à mon amour de la presse, c'était un manque d'innovation totale. J'ai eu la chance de naître, nous avons eu, quand je vois les différentes générations, nous avons eu la chance de vivre une révolution, la révolution du numérique. Quelque chose qui devait tous nous enthousiasmer, qui devait nous permettre de réinventer un certain nombre de choses. Or, on s'est aperçu de quoi ? Que finalement, personne ne prenait réellement ces chances-là entre ses mains et de se dire « on va réinventer notre façon de raconter des histoires, on va réinventer notre façon de faire notre métier de journaliste simplement ». Quelques exemples, j'ai entendu autour de moi, et j'entends encore autour de moi, des rédactions dire « il faut que je sois sur Internet, il me faut une vitrine sur Internet, il faut une vitrine sur iPad ». Qu'est-ce que ça veut dire une vitrine ? Est-ce que les gens, les internautes, ont vraiment besoin d'une simple vitrine ? Quelque chose qu'on pourrait, à travers laquelle on pourrait voir peut-être les offres du magazine ? Est-ce que vous croyez réellement que des gens... Je crois que c'est le cas de la Dépêche, c'est une des choses offertes par la Dépêche aujourd'hui, comme les Échos, comme un certain nombre de magazines, le fait de pouvoir lire sur PDF la veille au soir, suite à un abonnement, le journal du lendemain. Alors que le journal du lendemain est quasiment offert gratuitement sur Internet. Je crois qu'aujourd'hui, la presse a un vrai souci d'adéquation en fait, de son offre par rapport à ce nouveau support qui est formidable, qui permet beaucoup de choses, de mélanger l'ensemble des médias. Et je crois que ça, pour l'instant, peu de gens, peu de médias, peu de rédactions ont réellement pris ce sujet à bras le corps. Alors moi, j'ai une possibilité. J'ai été embauché à Milan Presse. J'ai eu cette grande chance-là après mes années d'études. J'ai connu beaucoup de bonheur. Je ne veux pas dire que la presse, pour moi, n'était qu'un long parcours de souffrance. Je n'ai pas porté ma croix à Milan Presse. Vraiment, je voudrais être très, très clair dessus. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai eu la chance d'être jeune photoreporter embauché en CDI. J'ai eu la chance de partir en Amazonie. J'ai eu énormément de chance grâce à ce travail-là. Mais j'avais cette envie-là, malgré tout, sur ce dernier point de l'innovation pour le web. J'avais envie de faire quelque chose d'autre. Alors j'avais eu envie de quitter mon emploi de salarié. Alors sur cette image-là, pour les personnes intéressées, il s'agit d'une usine dans l'Allier. Une usine, c'était une coutellerie, je crois, exactement. Et j'ai beaucoup aimé cette image-là, parce que pour moi, ça représente bien ce que j'ai vécu, avec mes deux autres associés, qui ont été très importants dans la construction de l'agence Sapiens Sapiens, que je co-dirige maintenant. Ça représente bien le chemin semé d'embûches, ce trou au départ. Ce trou, c'est quoi ? C'est se dire, j'avais un salaire qui tombait tous les mois. Il n'était pas mirobolant, petit message encore, mais il tombait tous les mois. Et qui disparaissait du jour au lendemain. Alors, il y avait Pôle emploi, il y avait tout ça, il y avait un côté très rassurant. Un an de, finalement devant moi. Un an pour essayer de construire une agence
J'ai 27 ans à l'époque. J'ai un carnet d'adresses proche du néant. Proche du néant, oui. Pas très élevé. Un an pour faire le tour de France des rédactions, essayer de comprendre leurs besoins, essayer de comprendre leurs envies également de production de contenu multimédia. Je me suis retrouvé, nous sommes retrouvés avec mes associés dans des rendez-vous totalement farfelus. Nous avons entendu les gens de Mediapart et de Rue 89 qu'on a vite monté au plus haut de la presse numérique nous dire « Nous, on veut bien des contenus, mais c'est gratuit. » Voilà, j'ai une collègue de promo à qui Mediapart avait promis en échange de la diffusion d'un de ses contenus, un an d'abonnement à Mediapart. Voilà, c'était magique, un an d'abonnement à Mediapart. Donc la valeur, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc, premier souci avec le fait de quitter un emploi de salarié, et c'est vrai aujourd'hui encore plus qu'il y a 4 ans quand je suis parti de Milan Presse, c'est ce chemin semé d'embûches. Et puis, on a beau être plutôt une grande bouche et l'ouvrir facilement et être semblé plutôt à l'aise, je peux vous assurer que quand j'ai passé pour la première fois la porte d'entrée du Monde, moi qui étais un gamin qui est né avec le Monde, mon papa, pour me faire plaisir quand j'étais début de lycéen, me ramenait le Monde du soir et je le vivais comme un cadeau. La première fois où j'ai passé la porte du Monde, je peux vous dire que je tremblais. Je tremblais parce que devant moi, j'avais une institution. Ce que je veux dire, c'est sur la diapo précédente, quand je montre cet état de la presse, ça n'est pas du tout une vision objective. Moi, ce que je veux de la presse, c'est ce qu'a fait le Monde sur le multimédia, qui s'est beaucoup rétabli grâce à quelqu'un comme son nom échappe, Boris Razon, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup énormément pour le multimédia. Et moi, j'arrive là tout petit à 27 ans avec simplement mon courage, la force donnée également par mes deux associés pour essayer de révolutionner le Monde. Le souci principal que j'ai connu dans ce chemin d'embûche, c'est ça. Le deuil de la carte de presse. Ça fait 3 ans que je n'ai plus de carte de presse. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir de carte de presse? En gros, en soi, c'est pas grand-chose. C'est un petit bout de plastique, plutôt mal imprimé. Et je peux vous dire que ma dernière carte, c'est celle-ci, je l'ai gardée. Elle commence à s'effacer un petit peu, donc ça ne dure même pas dans les années. C'est-à-dire de la camelote, quoi. Mais pour moi, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire cette possibilité d'arriver devant une institution, devant une force de police, devant un homme politique en disant « Je suis journaliste. Je suis journaliste, j'ai le droit de rentrer, j'ai le droit de raconter, j'ai le droit de dire, j'ai le droit. » Et là, ça, je peux vous dire que ça a mis plusieurs années. Ça fait peut-être 6 mois qu'aujourd'hui j'assume entièrement le fait de ne plus avoir cette carte de presse. J'assume tout à fait le fait de ne plus me dire journaliste. Alors pourquoi je n'ai plus la carte de presse pour les personnes qui souhaiteraient quitter leur emploi salarié s'il y a des journalistes ici salariés et se lancer dans une aventure? Simplement puisque je suis devenu gérant d'une entreprise, que mon agence n'est pas une association philanthropique. Je suis devenu gérant, donc non salarié, et du fait d'être non salarié, je n'ai plus le droit d'avoir la carte de presse. On reviendra un petit peu plus tard sur cette question-là, la carte de presse, puisque la question du statut des gens qui font l'information aujourd'hui en France est particulièrement importante, et c'est une question qu'on entend trop peu souvent. Une chute, on va essayer de continuer dans des choses plus heureuses. Non, l'information n'est pas morte. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Ce qui me permet de dire ça, c'est l'ensemble de ces nouveaux supports d'information qui ont été créés. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de web documentaires. Peut-être que vous en avez déjà vu. J'espère que vous avez vu des web documentaires. Moi, le premier que j'ai vu, c'était le premier à être produit en France. Ça n'est pas le premier. Les Américains, une fois de plus, nous ont devancés. Il s'agissait de Voyage au bout du charbon de Samuel Bollendorf, qui a perdu sa carte de presse, soit dit en passant. Samuel Bollendorf a fait un reportage en Chine. On arrive à Pékin, dans la gare de Pékin, et là, tout d'un coup, une possibilité s'ouvre. On nous raconte qu'il y a un certain nombre de décès récurrents dans des mines de charbon un petit peu partout dans le pays. Et là, notre écran d'ordinateur nous propose d'aller
voir le directeur de telle mine ou d'aller voir tel syndicat clandestin dans telle ville. C'est la première fois où je retrouvais dans un contenu journalistique, documentaire, on va mettre ça dans un même mot, c'est la première fois que je retrouvais quelque chose que vous avez peut-être connu aussi, qui s'appelle le livre dont vous êtes le héros. Nous, pour la première fois, l'internaute, c'est-à-dire le lecteur, c'est nous, nous sommes à nouveau les héros d'une information, d'un support d'information qui est créé pour nous. Et là, c'est une véritable révolution. C'est une véritable révolution également au niveau de la technique, au niveau du côté esthétique. Les photographes qu'on a toujours présentés comme des gens un petit peu fatigués, qui ne voulaient pas se révolutionner, c'est eux qui apportent ces nouveaux formats. C'est eux qui osent apporter de l'image fixe dans un support audiovisuel. C'est grâce à eux. Et ça, il faut rendre hommage à l'ensemble de ces photographes. Jacques. Oui, d'accord avec ça. Bon. Comment ne puis-je ne pas acquiescer ? Bon. Les petits objets multimédia, peut-être vous en avez déjà entendu parler aussi, des successions d'images fixes montées avec des rythmes différents, où de temps en temps le rythme nous repose, parfois il nous reprend et il nous conduit à aller voir plus loin. Voilà, ça c'est des choses qui sont nées à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Donc non, l'information n'est pas morte, non, les journalistes ne sont pas morts, et les rédactions et les journalistes peuvent encore avoir un certain nombre d'idées. Autre chose aussi intéressante pour... donc moi, je suis un pur produit de la presse écrite au départ. Vraiment, j'ai été formé pour, je vous le rappelle, voilà, né avec Harakiri, Charlie Hebdo, Le Monde, une fois que j'étais devenu étudiant en droit, ça passait mieux. Je suis un pur produit de la presse écrite. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec ces nouveaux médias, avec ces nouveaux supports, c'est que l'ensemble des diffuseurs se mélangent un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, moi, pur produit de la presse écrite, je veux travailler sur un produit audiovisuel avec un diffuseur type lemonde.fr et une chaîne de télévision, par exemple. Avant, tout était beaucoup plus cloisonné. Les choses sont encore cloisonnées. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, tout est ouvert et que n'importe qui peut faire n'importe quoi dans n'importe quelle condition. On se retrouve toujours, au bout d'un moment, à vous dire « mais vous n'êtes pas réalisateur, mais vous ne venez pas de la télé ». Mais vous n'avez pas d'appui audiovisuel comme il le faudrait. Tout ça dans la confection de ces nouveaux supports, de web documentaires, etc. Mais malgré tout, tout est un petit peu remis en question. Aujourd'hui, on peut travailler avec des équipes comme Sapiens Sapiens le fait, avec des intermittents du spectacle. Nous avons arraché cette possibilité-là à Pôle emploi de pouvoir payer des gens comme intermittents du spectacle et travailler sur des produits audiovisuels pour de la presse écrite. Lemonde.fr reste une marque de presse écrite. Et ces gens-là sont prêts à travailler avec des agences comme la nôtre. Ce que je veux dire encore sur l'information n'est pas morte, c'est qu'on vit une période particulièrement enthousiasmante et qu'il faut vraiment, puisque les médias, les diffuseurs ne prennent pas forcément le jeu à leur compte, ne se lancent pas, etc., proposons-leur des nouveaux supports. Proposons-leur nos idées. Et des idées, tout le monde en a ici. J'en suis intimement persuadé. Donc ce qui est intéressant pour terminer sur ce nouveau rapport avec les médias, c'est que les médias, pour moi, ne sont plus une fin, mais deviennent un moyen. Pourquoi ? C'est un web documentaire. Le web documentaire, le premier qui a été produit par l'agence Sapiens Sapiens, que tout le monde a vu ici, bien entendu. Vous l'avez tous vu, Notre-Dame du Net. Vous le connaissez par cœur, voilà. Il a fait environ, donc c'est un budget d'environ 30 000 euros. C'est rien du tout pour un web documentaire. On est, par rapport à Upian, on est tout petit, mais on espère qu'on est malgré tout très très inventif. 30 000 euros, sur ces 30 000 euros, donnez-moi, d'après vous, le chiffre qui a été fourni par les médias, par les diffuseurs. Je vais vous dire 4 000 euros. Les médias, les diffuseurs ont donné 4 000 euros sur un budget de 30 000 euros. Aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le rapport de force a changé. C'est que moi, en tant que producteur, en tant que membre de l'agence Sapiens Sapiens, si je trouve de l'argent de mon côté, c'est moi qui est à disposition le levier par rapport aux médias. Et le média est bien content que vous leur apportiez un contenu que vous aurez financé de par ailleurs. Alors peut-être il y a plein de choses à inventer. Peut-être que l'espace écureuil, un jour, en tout cas les gens qui sont derrière
financeront du web documentaire, je le souhaite, hein, le message est passé. N'hésitez, il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu partout autour de soi pour trouver cet argent et pour trouver donc une sorte de liberté pour raconter des histoires autrement. Raconter des histoires autrement, là, je vous présente François Jonquière, pour ne pas le nommer, un preneur de son, un intermittent du spectacle. On est en train de travailler sur un support multimédia, sur une maison. On raconte l'histoire d'une maison. C'est quelque chose que jamais on aurait pu faire avant. Et il est en train d'enregistrer le silence de cette maison. Voilà. Or, ça peut paraître très, très abstrait. J'espère que c'est abstrait. J'espère que ça vous donnera envie d'en savoir un petit peu plus dans quelques mois, quand tout ça, cela sera terminé. Mais raconter des histoires autrement, c'est ça. Ça demande un petit peu d'argent. Ça demande un petit peu de courage parfois, parce qu'il faut mobiliser, il faut secouer. Mais c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on a les idées, nous avons les idées collectivement, et je peux vous dire qu'un petit peu partout en France, quand on regarde le paysage multimédia de ces nouveaux contenus numériques, les idées sont là. Malgré tout, on rentre dans ce que j'appelle pour moi une période de combat. Alors c'est un combat qui n'est pas un combat violent, mais simplement un combat auprès de toutes les institutions anciennes qui ont toujours fait avec l'économie ancienne, avec les anciens médias, etc. Nous, on veut travailler avec tout le monde, mais on dit simplement qu'il faut changer un certain nombre de règles du jeu. Je reviens sur la question d'aller chercher de l'argent où il est. Aujourd'hui, je n'ai plus honte et je ne rougis pas quand je dis que l'agence Sapiens Sapiens, c'est une activité en termes de communication. Une activité corporate. Ici, j'ai le grand plaisir d'accueillir un certain nombre de personnes avec qui nous travaillons dans ces domaines-là. Nous avons une représentante d'ATR, Myriel Selskazo de l'agence Communique. Nous sommes très heureux d'avoir cette activité-là qui nous permet d'une part d'avoir de l'argent autrement que par la presse. Aujourd'hui, une agence ne peut pas vivre uniquement avec la presse quand on ne s'appelle pas. Quand on ne s'appelle pas, non, en fait, il n'y a plus d'agence qui vit bien avec la presse. Non, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, nous, notre chiffre d'affaires, il y a peut-être un quart, un cinquième qui provient de la presse. Tout le reste, tout ce qui nous permet d'avoir ces moments-là où on va réfléchir à raconter des histoires autrement, c'est grâce à la communication, c'est grâce au corporate. Ça n'est pas facile à vivre, ça comme la perte de la carte de presse, et pourtant c'est primordial. Autre chose, on a la possibilité aujourd'hui en tant que journaliste et en tant que personne ayant été formée comme journaliste, d'apporter quelque chose à la communication que j'appelle la communication intelligente. Et je crois que, je parle donc au nom de mes anciens confrères, je crois que nous avons une carte à jouer vis-à-vis de ça, puisque nous ne communiquons pas comme les communicants. En fait, nous apportons du contenu, simplement. Et on travaille sur du contenu qui apporte quelque chose, qui apporte une information. Et ça, c'est des choses peut-être qu'un certain nombre de communicants ont oublié. Nous avons cette chance-là d'avoir ces compétences-là à apporter à un ensemble de personnes. Nous travaillons depuis le début de l'agence Sapiens Sapiens avec le Centre National d'Études Spatiales. Est-ce que je dois rougir de travailler avec des gens qui vont ravitailler la station ISS à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes? Non. C'est un plaisir de travailler avec eux. J'espère bien d'ailleurs le 15 mars, si vous avez 5 980 € à dépenser, il y a l'ouverture des vols 0G au grand public. Je vous conseille d'utiliser de vous y mettre, si vous avez un petit peu d'argent de côté. J'espère bien que nous, en tant que Sapiens Sapiens et que prestataire, on va dire presque historique maintenant du journal de l'espace du CNES, que nous aurons la joie d'y être invités. Pour l'instant, ça n'est pas gagné. On pose un peu des jalons, mais voilà, 5 980 €, si vous avez ça. Cette histoire de communication, le souci qui a, on l'a déjà évoqué, c'est la question de la carte de presse. Aujourd'hui, je m'aperçois autour de moi, vous devez vous apercevoir autour de vous, pour ceux qui sont journalistes ou qui sont amis avec des journalistes, que c'est de plus en plus difficile d'avoir ce renouvellement de carte de presse, que des gens qui travaillent depuis 15 ans,
depuis 20 ans, certains, comme journalistes, n'arrivent plus à avoir cette condition sine qua non, qui est plus de la moitié de vos revenus salariés doivent provenir de la presse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire une paupérisation de l'ensemble des journalistes. C'est quelque chose de très très grave. Aujourd'hui, alors pour ceux qui ont encore cette idée-là, le journaliste ne gagne pas bien sa vie. C'est fini. Et il gagne tellement peu sa vie qu'il perd sa carte de presse, puisqu'on estime la moitié de ses revenus doit provenir de la presse, et il faut que l'ensemble des revenus soit quelque chose de cohérent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il gagne au moins 1 200 euros par mois. De plus en plus de journalistes ont aujourd'hui cette difficulté pour rassembler ces conditions. C'est quelque chose de tout à fait anormal. Et c'est anormal également, d'autant plus, pour les agences comme la nôtre, qui dépensons tout notre argent pour travailler sur des nouveaux contenus, qui travaillons, qui passons, on va dire, 70% de notre temps à essayer de nous réinventer, à essayer d'apprendre à appréhender ces nouveaux supports. On a l'impression de travailler pour la presse, quelque part, pour une sorte de grande cause à laquelle on croit et on continuera à croire. Mais derrière, le fait de nous voir refuser à nous, même les salariés à l'intérieur de l'agence, une carte de presse, moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Et j'espère que ce langage-là, que ce message-là, va passer et va monter jusqu'en haut. Parce que jusqu'à présent, la communauté de l'information ne le dit pas assez. La commission de la carte de presse est sclérosée. Voilà. Et c'est un vrai souci. Dernière petite chose sur le combat, et je suis très heureux d'avoir quelqu'un du Conseil régional et du service audiovisuel parmi nous, c'est le travail que l'agence Sapiens veut mener sur la question des aides audiovisuelles. C'est de faire reconnaître, et plein de gens n'attendent que ça, de faire reconnaître à son juste titre l'importance des nouveaux médias que nous défendons, du web documentaire, des portraits multimédia, et de plus en plus nous sommes invités à le présenter à un certain nombre de personnes. Le 13 mars, nous avons le plaisir d'être auditionnés par le Conseil régional et sa commission sur la question de l'avenir télévisuel. C'est quelque chose de très important. Encore une fois, ça n'est pas nos origines, mais nos envies se croisent parfaitement avec celles des gens qui ont toujours produit de l'audiovisuel jusqu'à présent. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est continuer à nous battre chacun à notre niveau pour faire reconnaître l'intérêt, l'importance de ce qui nous semble être l'avenir. Ça nous semble être l'avenir, puisqu'aujourd'hui, tout passe par Internet, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille sur un projet, on parle de téléconnecté, c'est-à-dire tout est relié, les réseaux sociaux, les iPads, on peut regarder avec plein d'entrées différentes un même contenu, on peut avoir des entrées totalement différentes, on peut adapter à l'intérêt des différentes personnes qui sont visées un contenu et faire en sorte d'optimiser au maximum l'efficacité de ce contenu. Un web documentaire, nous avons un projet au sein de l'agence Sapiens, un web documentaire, nous sommes persuadés qu'en visant bien une population locale comme Toulouse, nous pouvons atteindre un chiffre d'environ 10% de connexion sur Toulouse. 10% de connexion sur l'agglomération toulousaine, ça nous ferait quelques dizaines de connexions. Nous avons ce projet-là de travailler sur un web documentaire micro-local. C'est quelque chose auquel nous croyons beaucoup, puisque nous pouvons toucher chacun d'entre vous par des supports tout à fait différents et vous amener à un contenu, vous amener à des histoires qu'on souhaiterait vous raconter. Pour terminer, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, Miu Miu ne ressemble plus tout à fait à la personne que j'ai connue dans mon enfance. Ce que je voulais dire, c'est que moi, quand j'ai connu Miu Miu seins nus dans le roman photo de Harakiri, elle avait déjà vécu un petit peu. Moi, je l'ai vu dans ce Harakiri, j'ai récupéré dans une brocante. Donc déjà, l'image avait un petit peu vieilli. Là, je suis tombé, j'étais un peu surpris. Avant-hier, j'ai fait une recherche sur Google Images et je suis tombé sur... Voilà, mes rêves se sont un peu éclipsés. Simplement, je voulais vous dire, j'espère que j'ai réussi à vous faire passer cette idée-là, que nous vivons une époque tout à fait formidable quant à la presse. Il faut simplement, d'une part, que les financeurs, qu'on soit capable d'aller les chercher là où ils sont, et de réinventer surtout une nouvelle façon de faire des romans photos,
une nouvelle façon de raconter des histoires. Et j'espère très bien que ces histoires vous toucheront. La méthode n'a pas changé, c'est toujours la même. Une bonne histoire, c'est un bon début, un bon milieu et une bonne fin. Voilà, merci à vous. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu as eu un discours très militant, et je ne comprends pas que tu ne sois pas encore à l'UPP. Ah. Donc l'Union des photographes professionnels, voilà, de Jacques. Je défends les droits des photographes et des photojournalistes aussi. Et effectivement, tu es au cœur du débat, et le débat est très important à l'heure actuelle, mais je pense que c'est un débat qui ne touche pas que la photographie, qui ne touche pas que les photojournalistes, qui touche aussi le monde salarié, qui touche l'évolution de la société actuelle face aux enjeux de la mondialisation, de ce monde numérique qui remet un petit peu tout en question au profit souvent d'intérêts qui nous dépassent. Alors j'ai peur de ne pas toujours être toujours très bien entendu par l'ensemble des photographes sur cette question-là, parce que je crois avoir une vision peut-être un peu trop décalée des choses, mais sinon oui, je rejoins entièrement les causes pour lesquelles tu te bats. Et je vous rappelle simplement, voilà, sur la presse, il y a encore un journaliste, encore un photographe qui est mort il n'y a pas très très longtemps en Syrie, Olivier Voisin, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire ça continue à tuer, et ça continue. Et ce monsieur-là, encore une fois, c'est quelqu'un qui était envoyé par une grande rédaction, l'AFP en l'occurrence, sans aucun lien de subordination, c'est-à-dire aucune couverture, aucune assurance de vendre un certain nombre de photographies. Donc c'est des gens qui aujourd'hui continuent de se faire tuer pour des sommes dérisoires et qui ont du mal à faire renouveler leur carte de presse eux aussi. Voilà, la question du journalisme, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et un peu et tragique dans certains cas. Autre chose ? Moi, je sais pas, justement, j'ai essayé de me servir de ma carte de presse pour faire des choses un peu militantes, ou un peu. Je sais pas comment qualifier ça, et ça sert bien vraiment rien d'avoir une carte de presse, quoi. Oui, monsieur, moi, c'est juste. C'est mon fantasme de la carte de presse. Ouais. Bah, c'est quand tu rêves depuis aussi, tout petit. Je suis dégringolée de ce fantasme-là qui, justement, pouvait servir à relayer une information qu'on n'entendait pas forcément partout et qui est peut-être un peu gênante parfois. Et on avait l'air là, les officiers de police judiciaire, tout, on passe pas. Puis en plus, moi j'ai été cataloguée. Voilà. Maintenant il faut mieux que je la sorte pas, parce que sinon ils m'embarquent au poste et je reste. Quand tout le monde est passé, je suis auditionnée à la fin. Ils disent c'est dommage d'avoir perdu une demi-journée de travail. C'est en fait, dans certains moments, ça sert non seulement à rien, mais c'est encore pire, quoi. Bah finalement, on vit bien sans. Ben je crois que la chance que nous, on a aussi maintenant, c'est de réussir à d'être moins contingenté. Ça, c'est une vraie chance offerte aussi par notre activité corporate. C'est qu'on n'est plus contingenté par un souci de rentabilité sur cette partie-là. Ben on a aussi envie, parfois, de prendre des risques à raconter des histoires que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre au départ. Et ça, c'est une vraie, vraie chance dans le statut, non pas d'indépendant, mais dans la liberté qu'on peut avoir dans notre travail. Et je crois que c'est quelque chose, ouais, qui est vraiment lié à cette liberté. Ouais. Retrouver. Enfin, en termes d'optimisme pour ce que le journaliste peut traiter comme information et pas, carte de presse ou pas, ben moi, ça m'a vraiment mis une claque. Enfin, voilà, je pensais qu'un journaliste, il pouvait couvrir n'importe quel événement, et non, il y a des choses qui... De faire une carte sapiens, tu verras, c'est une clé pour l'ensemble des portes, ou presque. J'ai une question. On a déjà beaucoup entendu cette remarque sur le fait que la multiplication des techniques implique une multiplication des savoirs, des compétences, et qu'en gros, le journaliste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait écrire, on n'oublie pas, raconter des histoires, mais qui sait aussi... Il connaît le montage, l'intégration, le son. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une déperdition de qualité, puisqu'on trouve, on attend d'une même personne qu'elle accumule tous ces savoirs. C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que... C'était pas préparé. Non, c'était pas préparé en plus. Je me suis lancé j'ai été embauché en CDI sur l'utopie que j'étais capable de bien écrire et de bien prendre des photos, alors que ça n'était pas vrai à l'époque.
que j'étais, je me suis survendu très clairement. Je n'étais pas bon à l'époque. Je le suis devenu au fur et à mesure du temps, davantage. Et je croyais profondément à cette capacité qu'avaient les gens de tout faire. Et j'y croyais en étant plus jeune. Et plus j'avance, et moins j'y crois. C'est-à-dire qu'on est obligé, quand on travaille comme ça, parfois nous on se retrouve à avoir des équipes autour de nous d'une dizaine de personnes, où il y a des développeurs techniques, il y a des photographes, des vidéastes, il y a des ingé-sons pour la prise de son, des ingé-sons pour le mixage, et on est obligé d'avoir un minimum de culture générale dans l'ensemble de ces métiers-là, mais on est incapable de tout faire. Aujourd'hui, je suis capable de faire du montage, mais je monte trois fois plus lentement que n'importe quel vrai monteur. Mon cœur de métier aujourd'hui, c'est l'image, la photographie, et maintenant l'écriture, ces nouveaux schémas narratifs qu'on retrouve dans les web documentaires. Je sais monter, je sais prendre du son, mais pour rien au monde je suis monteur, pour rien au monde je suis preneur de son. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est un web documentaire, quand je vous dis 30 000 euros, c'est rien du tout comme budget, c'est rien du tout comme budget, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont bossé gratuitement, et ça n'est pas normal. Aujourd'hui, un vrai budget sur un gros web documentaire, on va tourner autour de 80, 100 000 euros, et là, tout le monde sera bien payé, mais il y aura un vrai preneur de son, il y aura un vrai mixeur, un vrai monteur, etc. Et des vrais développeurs. On ne peut pas faire, c'est quelque chose qu'on emprunte à l'audiovisuel classique, c'est on ne peut pas faire du low cost. Il ne faut pas faire du low cost. Faire du low cost, ça serait la meilleure façon de casser cette dynamique qui est en train de se créer sur la création multimédia. Ça devient très compliqué. Quand on commence aujourd'hui, ça devient quand même assez compliqué. Il faut avoir des membres d'une équipe qui sont capables de bosser avec soi sans avoir aucune assurance sur le fait que tout le monde sera payé à la fin. Nous, on prend les choses à l'envers, c'est-à-dire on a d'abord créé une structure, on cherche l'argent et ensuite on commence à bosser en y mettant les moyens. Mais on a commencé comme tout le monde, avec des bouts de ficelle. Aujourd'hui, on a des cordes un peu plus solides et on est bien content. Le vrai problème est qu'il n'y a plus de diffuseur. Il y a plus mais de... on, c'est pas grave, n'importe qui peut être diffuseur aujourd'hui. Non, mais je comprends. Mais le web documentaire, par exemple, fonctionne pour les plus connus, parce qu'il y a le CNC derrière, parce qu'il y a des subventions, en fait, ou des fonds publics qui servent à financer, en fait, des entreprises privées. Et là, il y a un petit problème qui un jour, va exploser, parce qu'on ne peut pas... Tout un chacun ne peut pas être mis à contribution tout le temps s'il n'y a pas une réelle économie. Alors on parle de nouvelle économie numérique, pour moi c'est une vaste fumisterie ça. Parce que quelque part, tu parlais de l'AFP, l'AFP fonctionne parce que l'AFP est subventionnée à hauteur de plusieurs millions d'euros et ça leur permet de vendre des photos, de les donner quasiment. Donc derrière ça, il n'y a plus de concurrence possible, il n'y a plus de... Alors la chance, c'est que, en fait, tous ces métiers sont faits par des passionnés qui sont prêts à le faire, même s'il n'y a pas de financement, quoi. Et c'est ce qui se passe. Mais le public, c'est pas un si gros souci que ça. Je vais te dire, le dernier Astérix et Obélix, ça coûtait combien à la collectivité ? T'en prends la moitié, tu finances trois webdocs. Oui, absolument. Même plus. Moi, ça ne me pose pas un souci fondamental que cet argent vienne de là-bas. Notre premier web documentaire, Notre-Dame du Net, on s'est posé la question, donc c'était l'arrivée d'Internet dans un couvent, dans le nord de la France. C'était vraiment le pitch du documentaire. On ne s'est pas posé la question, mais si une institution d'église avait voulu en 10 ans, là aussi, puisque ils avaient à leur tête des communicants intelligents, de dire « vous parlez de nous ». On vous donne de l'argent, on ne cherche pas à avoir une main sur le sujet, puisque c'est toujours ça. Le but, c'est de travailler tranquillement. Moi, je m'en fous d'où vient l'argent. Simplement, vous avez compris, Areva, je ne prendrai pas. Areva sur le nucléaire, je ne prendrai pas. Mais Bollendorf a fait un excellent web documentaire sur les nouvelles pratiques numériques financé par SFR. SFR est présent au tout début sur un petit logo.
je crois que c'est la question de ces projets-là aujourd'hui, c'est que toutes les économies en fait dépendent d'un moment donné, d'un projet donné. Et en gros, il faut se réinventer à chaque fois et réinventer l'ensemble des partenaires à chaque fois qu'on lance un projet. C'est ce qui est un peu fatigant, c'est qu'on ne peut jamais se reposer sur une méthode, sur quelque chose de déjà fait. Mais moi, ça ne me gêne absolument pas d'aller demander de l'argent au public, dans le sens où c'est aussi une vocation et on donne aussi de l'argent par le biais de nos impôts pour cela. Ça ne me choque pas outre mesure. Après, est-ce que c'est si vrai que ça qu'il faut réinventer tout le modèle économique à chaque fois? Parce que mine de rien, il y a aussi il y a quand même des rails qui existent, des modèles qui existent. Je veux dire, le financement public, dans le documentaire télé, c'est également le cas. Mais pour le web documentaire, trouver un diffuseur qui va être partenaire financier. Non, je crois qu'il ne faut pas... Aller voir le CNC qui va être un partenaire financier. Aller voir la SCAM qui va être un partenaire financier. C'est des choses quand même... C'est ce qu'on fait. Assez systématique aussi. On prend les mêmes recettes, par contre, vous êtes bien placé pour savoir qu'on a besoin parfois d'aller de persuader les gens que la direction qu'on prend est une direction qui n'est pas totalement farfelue et qu'elle a une place dans l'avenir audiovisuel. Par contre, c'est vrai que ces anciennes recettes-là ne deviennent pas obsolètes du tout avec cette nouvelle économie. Au contraire, de plus en plus, et c'est à nous aussi qui ne sommes pas forcément issus qui n'avons pas ces origines audiovisuelles au départ, d'apprendre aussi à vivre avec l'ensemble de ces, non pas contraintes, mais avec l'ensemble de ces nouveaux partenaires. C'est simplement il y a un côté initiatique aussi, mais parfois les portes sont un peu fermées, on est obligé de mettre le pied dedans dès qu'il y a une ouverture pour dire de pouvoir l'ouvrir un peu plus grande. C'est ce qu'on essaie de faire, mais en effet, les anciennes recettes continuent de fonctionner. Et on essaye malgré tout d'en trouver des nouvelles. Et vous parliez d'audience, et moi ça m'intéresse de savoir comment vous faites pour avoir de l'audience aussi. Est-ce que du coup c'est les médias, les anciens médias, enfin la presse, qui deviennent des annonceurs en gros de... Ah bien sûr, c'est une marque. Ouais. Le Notre-Dame du Net, lemonde.fr pour la France, lesoir.be pour la Belgique. On était bien là. Ils ont quand même une force de frappe. Il y a eu, une ou deux pages dans le Monde pour annoncer, donc le Monde papier pour annoncer le pendant web documentaire et numérique. Le Soir, deux pages pour Le Soir, plus un certain nombre d'autres partenaires presse qui ont permis de faire monter la sauce. Et après, c'est aussi à nous, en tant que producteurs, d'alimenter nos réseaux par le biais des réseaux sociaux, etc., pour faire le maximum de chiffres. Mais là, on était, nous, donc, toute petite agence de production à l'époque, encore plus petite qu'aujourd'hui. On a eu les retours qu'on a eu des deux responsables numériques du Monde et du Soir. C'était d'un côté Le Monde, c'était vous êtes dans la moyenne haute de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, avec un très petit budget. Et pour Le Soir, c'est vous avez tout explosé. Voilà. On était contents. La moyenne haute. La moyenne haute, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'on était sur 20 000 connexions sur le premier week-end. Ou 30 000. 20 ou 30 000, je crois. Sur l'activité, si j'ai bien compris, il y a 25% d'activité presse et 75% d'activité communicante. Ça dépend si vous parlez en termes de temps de travail ou en termes de revenus. Oui. Moi, en tant qu'audience, comment je peux faire la différence entre ce qui fait partie de l'activité presse et de l'activité publicitaire donc. Vous n'avez pas de logo sur l'activité presse. D'accord. Et parfois, les contenus, je vais vous dire, les contenus qu'on réalise, par exemple, pour ATR, pour le CNES, pour l'agence Communique, comme on a pu bosser pour le conseil régional, j'ai l'impression de faire le boulot comme je le fais pour la partie presse. Si c'est un portrait... Un portrait, c'est un exercice de style, on sait comment ça fonctionne. Il faut qu'on fasse passer, le message de ce qu'est la personne, il faut qu'on montre un petit peu d'humain, etc. J'ai l'impression de bosser de la même façon. Le jour où j'aurai plus l'impression de bosser de la même façon, on se posera la question de savoir si on doit continuer la communication. Je pose la question par rapport, dans la presse traditionnelle, quand il y a une page de pub, c'est une page de pub. Et il y a des pages qui s'appellent communiqués publicitaires, qui ressemblent furieusement à l'information, mais qui sont quand même de la pub. Est-ce que ça existe dans le web, dans les web propositions? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore de choses qui nous permettent de décrypter, de protéger le consommateur, en fait? C'est une excellente question, et pour l'instant, le problème ne s'est pas forcément tout à fait posé. Claire ?
je travaille donc avec Clément à l'agence Sapiens Sapiens. En fait, nous, les contenus, ils sont, on sait tout de suite de quoi on parle, parce qu'on n'est pas, on n'est pas diffuseur. Nous, on vend des contenus, on produit des contenus et on les vend. Donc, si vous trouvez un contenu à nous sur le site du CNES, c'est de la communication. Si c'est dans les pages du Monde ou sur le site du Monde, ça sera de la presse. Voilà. Après, on a encore des marques très fortes de presse et qui sont et qui protègent justement le consommateur, comme vous dites. Après, le problème, c'est un problème et au contraire une solution, c'est que les diffuseurs ont tendance à devenir, le nombre des diffuseurs potentiels a tendance à augmenter. On a un représentant de Carré d'Info là aujourd'hui. Moi, je rêve d'avoir un jour quelque chose de diffusé chez eux. Et pourtant, on est très loin de l'économie du Monde, d'Arte ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, on a encore ces marques-là qui permettent de protéger un petit peu les gens, en effet. Ouais. Mais après, vraiment, je persiste sur la question. Nous travaillons de la même façon des deux côtés, quoi. Et pour l'instant, ils nous font confiance. Le jour où on estimera que nous sommes des mauvais communicants par rapport à ça, on arrêtera de faire appel à nous. Mais pour l'instant, les gens avec qui on travaille depuis le début de l'agence, on continue de travailler avec eux. Et pourtant, on est sur ces méthodes-là depuis le départ. Merci en tout cas beaucoup à vous. Et puis, continuez de croire à l'avenir de la presse. Hein. 21 mars, ça continue.